Salut à tous et à toutes, c'est Bash the Fun, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur The Tycoon 2 Intégral. Et on va continuer de s'occuper de notre zoo. Mais je vais tout d'abord aller voir vos commentaires sur le dernier épisode pour voir si vous m'avez pas posé de questions afin que je réponde rapidement. Appelle à Cory Schufflerman, un lion monstre et un dauphin Lucky. Ah ouais, ça je vais sûrement le faire parce que j'avais trouvé que les monstres étaient bien appropriés par rapport à leur personnalité. Tu perds beaucoup d'argent car tu as trop d'employés, tes soigneurs peuvent s'occuper de plusieurs animaux d'espèces différentes. Je sais, mais je tiens vraiment à ce que chaque animal, et chacun leur soigneur exprès pour pouvoir vraiment être parfait tout le temps, vous savez, pas avoir de soucis avec l'hygiène et tout, parce qu'en fait, oula, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, mon casque me gêne. Hein. En fait, j'ai tenté de faire quelque chose de potable avec mes cheveux, mais je n'arrive plus. Je suis désolé. Parce qu'en fait, je me mèche dans le sens inverse de d'habitude. Et comme vous voyez, ça marche pas des masses. Bon, peu importe. Alors, on m'avait dit quoi? Est-ce qu'on m'avait dit... Un lion monstre, un dauphin lucky. Je crois pas que je peux acheter quoi que ce soit des trois. Non, je peux pas encore acheter quoi que ce soit des 3 de toute façon, donc on pourra pas le faire pour le moment. Mais il y a pas mal de visiteurs hein, quand même dans mon zoo. C'est plutôt cool. Bon, sauf qu'il y a pas beaucoup de gens qui viennent par là-bas, mais... C'est dommage, c'est qu'on peut pas mettre en avance plus rapide, vous savez. Ça, c'est dommage, je trouve. Et on peut pas vraiment savoir comment les jours passent, etc. Vous n'avez malheureusement pas réussi à faire en sorte que vos animaux n'aient pas besoin de pression vitale d'hygiène pendant la période d'évolution. Ça me fait un prochain. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai un soigneur dans chaque enclos. C'est que là, soit foiré, je sais pas pourquoi. Visiteurs ont de plus d'endroits où se reposer. Attendez, de foutre de la gueule du monde, les visiteurs. Ils ont un grand endroit là. Vous voulez que je mette des bancs? Oh là là, je vais mettre des bancs. Mais non, mais parce que les visiteurs ils chipotent un peu beaucoup donc. Ouais, mais je peux pas mettre un banc à côté des toilettes là, genre ça le fait pas. Ça bloque votre banc. Bah oui, j'ai bien vu quelque chose bloque mon banc. Vu le bruit que ça a fait, ça aurait été dur de pas capter qu'il y avait un truc qui bloquait mon banc, hein, mais enfin. Bon, je leur mets des bancs hein, parce que bon, ils en ont réclamé alors ils en ont pour le coup. Et puis excusez-moi, il y a un camion qui est passé devant chez moi. À côté de la poubelle. Comme ça, s'il y a des gens que vous aimez pas, vous pouvez toujours les placer à côté de la poubelle. Ah oui, j'aurais aimé faire pour faire des spectacles aquatiques. Les belugas, ils peuvent. Est-ce que les raymontas peuvent? C'est des animaux qui font des spectacles ou pas? Non, je crois pas. Pas trop comment on fait les spectacles aquatiques pour tout vous dire, donc attendez un peu que je m'organise. Bon là j'ai fait comme ça pour pouvoir passer à un second bassin. Pour les belugas! Alors les belugas, on va prendre ce bassin là. C'est pas comme si on avait super méga le choix du bassin. Bon, sinon il y a celui opaque aussi, mais bon, ça sert à rien quoi d'en avoir un opaque si les gens peuvent pas voir les belugas. Ça sert à rien d'en avoir quoi. J'essaye de faire des formes un peu spéciales, vous savez. Bah, vous avez dû remarquer. Mais parce que sinon je trouve ça trop carré. Ok, beluga. Le biome. Ah, ils habitent dans la toundra. Et je savais même pas qu'ils habitaient dans la toundra les belugas. C'est quoi ça? Plante. Il n'y en a pas. Bon, excusez-moi pour le bruit de fond, je suis vraiment désolé, mais le chien mon voisin aboie. Je vais leur mettre des mollusques. Et un poisson aussi. Et puis ça. J'y reviens. Ok, bon, me revoilà, j'ai tenté d'aller faire taire le chien, je sais pas si ça va durer, je suis vraiment désolé pour le bruit de fond, je peux pas faire mieux.
Alors, l'école de photographie souhaite que vous fournissiez une photo pour illustrer la section photographie de la vie sauvage et de l'enseignement. Ils n'ont besoin que d'une seule photographie, mais celle-ci couvrirait contenir deux animaux pour impressionner les étudiants. Ouais, bah ouais, je vais faire ça. Représentant deux animaux. Bah ouais, il suffit que j'aille dans cet enclos-là, puis je prends avec les bébés. Faire une photo des bébés. Ouais, j'ai une subvention. Oh putain, j'ai que 2000. Oula, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Wow, ouais, je savais pas. Bon, ben les belugas, ils attendront un peu. Je vais pas les acheter tout de suite, parce que bon, si j'ai pas d'argent pour les payer, ça risque de poser problème. Bon, bon, bah ouais, pour le coup, non. Je vais pas prendre les belugas. Bon, ben, parce qu'en fait, le truc, c'est que je peux pas faire mieux maintenant, parce qu'il y a mon zoo, il a 2000, mais je peux pas mettre le temps plus rapide, rien, donc... C'est ça le truc que je reproche à The Tycoon 2, c'est le fait qu'on puisse pas augmenter le temps, le mettre plus rapide. Vous pouvez pas payer plus, non, les gens. Prix du mérite, photographe, vous avez reçu... Oh, j'ai pris des photographes, chouette. Ça peut pas me rapporter un peu d'argent, non? Bon alors, Elanette, elle avait mis bas. Est-ce que vous avez assez d'espace? Parce que bon, vous êtes quand même beaucoup là-dedans. Ouais, ils se sentent plutôt bien. Ils ont besoin de rien spécialement. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi j'avais perdu le prix, quoi. Parce que. Enfin, le truc que j'étais en train de faire. Est-ce que tu es enceinte? Tu n'attends pas de petit. Renette, il me semble qu'elle attend des petits. Enfin, Platounette. Ouais, Platounette, elle attend des petits. Et Manchotte? Non, elle attend pas de petits. Elle dort. Et les gens, ils aiment beaucoup les élans. Hein. Bon, je commence à gagner un peu plus d'argent. Le truc, c'est que je sais pas comment faire pour en gagner encore plus. Peut-être mettre un stand de quelque chose, là, pour qu'ils puissent acheter un truc. Attendez, pourquoi là-bas, il y a du sol chelou, là? Genre, ouais, non, mais attendez, on s'est un peu gouré au niveau du sol. Je vais mettre un espèce de petit stand ici. Un stand de soda. Pas moche comme ça. Hop. Et puis en face. Au moins, vous savez, c'est devant l'entrée. Au moins, les gens ils vont bien le voir. Vous pouvez acheter des choses ici. Et un stand de hot dog. Non, hamburger, c'est mieux. Non. Machin. Oh, mais non, il y a des trucs de souvenirs marins. Souvenirs de la mer. Venez acheter des souvenirs de la mer. C'est tellement bien, les souvenirs de la mer. Ok, excusez-moi. Et là, c'est des souvenirs normaux. Ben, attendez, je vais les mettre là, les marchands de souvenirs. C'est le super emplacement. Genre, avant de partir, si vous voulez acheter un petit souvenir. Mais c'est cool comme ça, je crois. T'as les gens, ils veulent encore plus de trucs de repos, je crois. Normalement, il y a aussi des trucs qu'on peut mettre, vous savez, devant. Devant ça pour qu'ils puissent mieux voir, genre des espèces de jumelles. Jumelles panoramiques. C'est que. Au plan. Ouais, ça j'aimerais bien en mettre. Désolé d'observer les animaux lors d'un enclos dans un appartement célèbre. Ouais, faudrait que j'en achète aussi, je suppose. Y a plein de trucs qu'il faudrait que j'achète, bordel de merde. Ouais, je vais peut-être. Allez, je vais faire. Je vais. Bon, ça. 400 le truc, mais. Je sais pas pourquoi j'ai perdu autant, par contre, parce que ça me l'a apparemment coûté deux fois. Ok. Fondation. Destinée à venir en aide aux nouveaux zoos. De si vous voulez collecter. Si vous pouvez. Pendant. Ok, je vais essayer. Faut juste que je collecte des dons. Ça va, les collectes de dons, c'est mon truc. Donnez-moi des dons. J'ai surtout eu des dons pour les élans. Hein. J'ai 49 dons, ça me fait 1300 et quelques dollars pour des élans. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Ça va paraître con, mais pourquoi les gens donnent de l'argent dans les zoos, enfin, dans les boîtes à dons? Je veux dire, parce qu'on paye déjà l'entrée, techniquement. Donc après, de venir dans les boîtes à dons.
C'est un peu inutile. Enfin, je trouve. Bon, alors, quand j'y pense, là, il n'y aura plus de bassin. Parce que, bon, les bassins, je les réserve à cette zone-là. Hein. Il n'y aura pas tant de bassins que ça. Je pense en mettre un troisième là. Puis ce sera tout. Et là, je mettrai d'autres enclos. Et puis là, je pensais faire un circuit safari. Ça pourrait être cool. Là. Ah, voilà. Recherche coût de machin, poste d'observation est terminé. Chouette. Les gens vont être contents. Regardez, un poste d'observation. Ils vont aller dessus, vous croyez? Enfin, dessous plutôt, parce que dessus, non, bah, ils vont pas monter dessus. Mais... Avec ces barrières, on voit pas grand-chose, hein, quand même. Ah, attends, il m'a fait peur. Bonjour, monsieur des années 80. C'est vrai qu'il y a des enclos de ce côté aussi. Bonjour, il est devenu encore plus célèbre. Wouh! Bonjour, il est devenu plus célèbre! Bon, et je vais vous laisser là pour cet épisode et je vous retrouve dans l'épisode prochain. Bye bye! Oh oui, non, juste PSE, cet épisode n'était pas super passionnant, mais là pour le coup, j'ai pas beaucoup d'argent. Je pense que je vais laisser toute l'après-midi mon zoo s'occuper de lui-même. Vous savez, en hors caméra. Sans caméra, c'est important. Comme ça, ça va me faire gagner de l'argent, etc. Mais ça sera cool! Voilà, bye bye!